Good morgen, allez, Iden, les sujets aujourd'hui, le Nishmat Chayester Bat Myriam, ainsi que le foie de l'Israël Shimon Ben Chayester, Hamshet Mira Bat Ozena et Binyamin Ben Chibiva Bedor Chapo Israël. Si vous êtes aussi des prochaines études de Mishnah, avec les 5 minutes éternelles, nous étudions la Sechet Eruvin, Perek Hei, Mishnah Zayin. Mi Sheaya Bamizrach, Vamar Livno Arevli Bema'arav, Bema'arav, Vamar Livno Arevli Bamizrach, Im Yesh Hemenu Ulbeto Alpaim Amot, ולרובו יותר מכאן מותר לביתו ואסור לעירובו. לעירובו אלפיים אמה ולביתו יותר מכאן. אסור לביתו ומותר לעירובו. Et je m'arrête là pour le moment, on explique la première partie de la Mishnah, qui est relativement simple. La deuxième partie, elle sera un peu plus compliquée, il faudra faire des schémas plus nets. Pour la première partie, déjà, il faut aussi faire un schéma, parce qu'il y a une certaine complexité. Le principe, il est simple, mais le cas figuré, il est complexe, en fait. Mishaya, complexe. Je m'entends, on va vite expliquer ça facilement, mais il y avait une petite finesse. Mishaya Bamizrach Vamar Livno, celui qui était à l'est de la ville. Il a dit à son fils Arevli Bemarav, mets-moi un Eruv à l'ouest. Ou inversement, Bemarav, il était lui-même à l'ouest. Vamar Livno, il a dit à son fils Arevli Bamizrach, mets-moi un Eruv à l'est. Alors la Mishnah m'enseigne, Im Yesh Hemenu Ulveto Alpaim Amot. Si toutefois il y a depuis sa place jusqu'à sa maison 2000 amas, tandis que. Ou l'Eruvo Yoter Mikan. Par contre, s'il veut attendre son Eruv, il a une distance beaucoup plus longue que 2000 amas, il a 3000 amas. Alors, Moutar Leveto Ve Asur l'Eruvo. Il aura le droit d'aller à sa maison, mais il n'aura pas le droit d'aller à son Eruv ou d'utiliser son Eruv. J'expliquerai plus dans les détails après, pour le moment, je continue à avancer. Donc, pour le moment, vous avez retenu, il est à l'est. Toujours, on va prendre le premier cas de figure, c'est plus sérieux même. Il est à l'est. Il dit à son fils, mets-moi un Eruv à l'ouest. Il y a la ville qui est entre les deux, puisqu'on parle à l'est, à l'ouest. À l'est, à l'ouest de qui? De la ville. D'accord? Ça va être en ça qu'il va y avoir une petite finesse. On m'expliquera pourquoi. Mais en tout cas, moi, je suis à l'est de la ville. Je dis à mon fils, mets-moi un Eruv à l'ouest. Et la Mishnah me dit, bon, si de ma place, là où je suis, en dehors de la ville, je suis plus loin que mon Eruv. Je suis très loin de mon Eruv. Je suis à 3000 amas de mon Eruv. Mais par contre, de ma ville, je suis à 2000 amas. Alors la Mishnah me dit quelque chose de logique. Bon, ben écoute, t'as raté ton Eruv, t'auras quand même la ville. J'aurai le droit d'aller dans ma ville, et autour de ma ville, j'aurai les 2000 amas. Tandis que l'autre cas de figure, c'est quoi? L'Eruvo Alpaim Amas. J'ai dit à mon fils, moi je suis à l'est de la ville. J'ai dit à mon fils, tu mets à l'ouest de la ville, tu lui mets là-bas, tu mets là-bas l'Eruv. Mais quoi? Jusqu'à mon Eruv, j'ai 2000 amas. Ou le veto yoter mikan. Par contre, jusqu'à ma ville, j'ai plus que 2000 amas. Sur le veto, alors j'aurai plus le droit d'aller à ma maison, tel que c'est écrit, dans ma ville, dans ma maison, ou moutard l'Eruvo, mais j'ai le droit d'aller utiliser mon Eruv. Bon, le principe, il est relativement simple, il y a juste un problème complexe. Vous admettez quand même une logique. Si on prend un référentiel, ce feutre, je le mets entre moi et vous. Donc si moi je suis à l'est du feutre, vous êtes à l'ouest du feutre. On est d'accord? Techniquement, vous ne pourrez jamais être plus proche de moi que le feutre, puisque c'est les référentiels qui nous séparent. D'accord, c'est pour ça qu'on a besoin de faire un schéma pour expliquer comment ça se passe. C'est-à-dire, si lui, il est à l'est et le fils, il est à l'ouest, comment il peut y avoir un cas de figure où il est plus proche du Eruv que de sa ville? La ville, elle est entre les deux. Alors la ville, elle est entre les deux. La ville, elle sera toujours plus proche de lui que de son Eruv. C'est là la petite finesse, en fait. C'est pour ça qu'elle a fallu un schéma pour expliquer qu'on parle en fait qu'il est à l'est, à l'ouest, mais vous tracez une ligne. Vous partagez la en deux, en fait. On parle qu'ils ne sont pas tous les trois alignés. Ils sont en forme de triangle. Et il y a la ville, c'est le carré. Soit plus bas, soit plus haut. C'est-à-dire, moi, c'est le petit bonhomme avec la kippa sur la tête. Là, c'est le pain du Eruv. On peut mettre un pain, on peut mettre autre chose. Et puis, il y a la ville, alors, il y a deux cas de figure. Soit la ville, elle est là, soit la ville, elle est là. La Reisha, le premier cas de la Mishnah, on parle avec les flèches en noir et les distances plus ou moins en noir. Et le deuxième cas de la Mishnah, c'est avec les flèches et les distances en vert. D'accord? Et comme ça, je réexplique toute la Mishnah. Avec un cas où moi, je suis à l'est et le fils, il est à l'ouest. Il a mis le Eruv à l'ouest. Comprenez, ça vient même si on fait le contraire, changer le ouest et est, et ça vient même, d'accord? Et on fait ça dans les mots, regardez, Mishaya Bamizrach, il était à l'est. Nord-est, en fait. Au-dessus de la ville. Et, Vamar Livno, il a dit à son fils, mets-moi un Eruv au Maharav, à l'ouest. Donc pour le moment, on est avec les flèches noires. D'accord? Je saute maintenant l'histoire de Maharav, Vamar Livno, Bamizrach, le même principe, il est à l'ouest, il a dit à son fils, mets-le-moi au Mizrach. Alors la Mishnah me dit, Imiesh Hemenu l'Beto Alpaimamot. Si de ma place là où je suis, jusqu'à ma ville, je suis dans le périmètre des 2000 amas de la ville, par contre, ou le Eruv au Yotermikan, par contre, pour rejoindre mon Eruv, j'ai besoin de marcher 3000 amas, donc il est
à l'extérieur de mon troum, ou plutôt je suis à l'extérieur du troum du Hérouv, d'une certaine manière. Alors la Mishnah m'enseigne, bien, tu sais quoi, moutar le veto, j'aurai le droit d'aller dans ma maison, et j'aurai le dominama autour de ma maison. Mais par contre, ou veassour le Hérouv, je n'aurai pas le droit, littéralement, d'aller rejoindre mon Hérouv, je vais expliquer que c'est pas exact, mais j'aurai pas le droit d'aller à mon Hérouv, et d'avoir les 2000 amas autour de mon héros, en fait. Tandis que le cas inverse, il me dit quoi? Je finis, après on explique plus à l'oral. Le cas inverse, c'est quoi? C'est que on est avec les flèches vertes cette fois-ci, donc vous prenez la ville, vous la déplacez beaucoup plus au sud. On a que... Je choisis précisément ce cas-là, où jusqu'à mon héros, j'ai les 2000 amas, donc j'ai le droit d'aller rejoindre mon héros. Jusqu'à la ville, j'ai 3000 amas, donc j'ai plus le droit d'aller à la ville. Pas exactement. Mais de là, entre la ville et le pain, ça a la petite finesse, entre la ville et le pain, il y a aussi 2000 amas. Alors la Mishnah, elle me dit, bah, tu sais quoi? Lui, c'est devenu ma place pour Shabbat, et pas la ville. Et j'explique un petit peu mieux maintenant, et je reprends les cas plus calmement. Tout ira très bien. De deux choses l'une. On a tous une place à Shabbat. Soit, là où tu te trouves, là on n'en parle plus dans notre Mishnah, là, tu as envie d'avoir... T'as deux endroits, en fait, deux lieux de résidence à Shabbat. En théorie, lorsque tu mets un hérouv, ça signifie que j'ai mis mon pain là-bas, j'ai mis mon repas là-bas, ça signifie que j'habite là-bas. Depuis que j'ai ma place qui est là-bas, j'ai le droit d'avoir un périmètre de 2000 amas autour, c'est le troum de ma place. La Mishnah m'enseigne comme ça. Elle me dit, tu sais, dans la Reisha, dans le premier cas de la Mishnah, tu as voulu mettre un pain pour pouvoir être installé là, comme ça tu vas pouvoir partir le Shabbat, hein, partir encore plus loin de l'autre côté. Ce qui se passe, c'est que tu ne peux pas atteindre ton pain. Parce que si jamais ta place, c'est le pain, trace un cercle ou un carré, peu importe, de 2000 amas autour du pain, et tu n'as plus le droit d'aller le rejoindre parce que tu es à l'extérieur. Donc ton hérouve n'a pas marché. Et Michel me dit, tu sais quoi, ben, posteriori, quand même, tu gagnes quand même ta ville. Tu restes quand même dans le domaine de ta ville. C'est un grand chidouche. Parce qu'on avait appris longuement, pour celui qui était dans le désert, qu'il n'avait pas sa ville. C'est-à-dire, on avait appris un grand principe. Une marloquette sur ça, mais... Concrètement, on tenait la halakha que si tu n'as pas d'intention d'acquérir ta place pour pouvoir avoir le dominant autour, tu n'as pas ta place, tu dois rester bloqué sur le 4 amot. Je ne sais pas si vous en souvenez, mais c'est le problème qui se passe ici. Moi, je veux que ma place à Shabbat, elle va être à côté de mon pain. Or, je ne peux pas avoir mon pain. La Michel vient me dire, tu sais quoi, à posteriori, tu prends quand même ta ville. Or, j'ai pas eu d'intention d'avoir ma Shevita dans ma ville, j'ai pas eu l'intention de m'installer à Shabbat dans ma ville. Malgré tout, je l'ai. Et là, c'est un chidouche qu'il y a spécifiquement par rapport à sa ville. Comment c'est répondu? Il m'a dit oublier. Parce que Nihale et Shvita de Bepto. Oui, c'est la différence. C'est tout ça qui explique comme ça. Que concrètement, il a quand même intéressé à voir sa ville, alors que celui qui était dans le désert, ouais, il n'a pas envie de rester à sa place du tout. D'accord? Une petite finesse, mais en tout cas. Donc on retient pour le moment. Le cas, il est simple. Tu as l'intention de rester. Tu as l'intention d'acquérir ici le pain, mais tu ne peux pas l'atteindre parce que tu as 3000 amas. Tu restes dans ta ville. Et donc, tu auras ta ville, tu auras les 2000 amas autour de ta ville. Regardez aussi la petite finesse que je ne l'ai pas vue écrite, mais je l'ai calculée. C'est sûr que c'est à cause de ça que j'ai arrêté pour la cinquième fois le cours de ce soir pour pouvoir calculer ça, mais c'est sûr que c'est logique. Il est vrai qu'une fois que je serai dans ma ville, j'aurai même peut-être le droit d'aller à mon pain, si ça se trouve. Mais en tout cas, le pain, il ne sera pas ma Shevita. Ce ne sera pas ma place. C'est-à-dire, quand j'aurai ma ville, quelque part, il faudrait faire un. Voilà, en rouge, c'est les 2000 amas autour de ma ville, et peut-être que je pourrai atteindre mon pain et aller le manger. Mais malgré tout, ça ne va pas me permettre de définir que je suis installé dans mon pain. Parce que si je suis installé dans mon pain, alors je dois avoir les 2000 amas autour de mon pain, et là je suis exclu. D'accord? Ça c'était le premier cas. Deuxième cas, on passe avec les flèches vertes, maintenant cette fois-ci, et on parle du cas inverse, que maintenant moi j'ai le droit d'aller à mon Hérouv. Je suis à 2000 amas de mon Hérouv. Donc j'ai le droit de l'atteindre, et je veux que ma place à Shabbat elle soit là. Donc autour de mon pain maintenant, vous allez lui faire les 2000 amas, comme ça. Hop! D'accord? Là on est dans le deuxième cas de figure. Ça, c'est ma place. Regardez, j'ai le droit de l'atteindre puisque je suis à 2000 amas. Alors, la Mishnah m'enseigne, tu sais quoi? Je vais te dire. Ou les Hérouvo. Donc, les Hérouvo, Alpaï Mama. Depuis mon Hérouv, je suis à 2000 amas. Tandis que de ma ville, je suis à 3000 amas. Je ne suis pas dans le domaine de ma ville. Je suis à 3000 amas parce que ma ville, c'est la verte maintenant. D'accord? C'est la verte, je suis à 3000 amas. Alors que de mon pain, je suis à 2000 amas. Alors, la Mishnah m'enseigne comme ça en me disant, tu sais quoi? Hey, tu auras le droit d'aller à ton pain. Mais littéralement, c'est écrit que j'aurais pas le droit d'aller à ma ville. C'est ce qui est écrit. D'accord? J'aurais pas le droit d'aller à ma ville. Bah, sur le veto, où j'en suis, les rouveaux alpaïmama ou le veto yoter, mais yoter mikan, jusqu'à mon hérouve, j'ai 2000. Par contre, si je vais aller à ma ville, je
je suis à 3000 amas, la Mishnah m'enseigne « Assour le béto », je n'aurais pas le droit d'aller à ma maison, littéralement, comme ça c'est écrit. « Ou moutar les robots, par contre j'ai le droit d'aller à mon érouve ». En réalité, la Gemara explique que c'est pas comme ça, c'est rapporté dans le Tanoura. Il me dit « Non, non, j'aurais le droit d'aller à mon érouve ». Maintenant, j'ai précisé que dans mon érouve, si mon érouve il a 2000 amas du pain, j'aurais aussi le droit d'aller à ma ville. Donc en fait, j'aurais aussi le droit de rentrer dans ma ville. Mais une chose de sûre, c'est que je n'aurais pas autour de ma ville les 2000 amas. Parce que ma place est devenue mon érouve, puisque c'est devenu mon érouve, même si mon érouve il me permet de rentrer dans ma ville, dans le petit coin de la ville par exemple, ouais, j'ai mal fait mon dessin, imaginez que le trait il est comme ça, j'aurais le droit de rentrer dans ma ville, même, j'aurais le droit de rentrer dans ma ville, parce qu'il est dans 2000 amas, mais en réalité mon vrai lieu de résidence à Shabbat, c'est lui. Puisque c'est lui, je pars depuis sa place jusqu'à 2000 amas, je rentre jusqu'à les 2000 amas à la ronde, mais j'aurais pas le troum de la ville, j'aurais pas le droit même de marcher, même dans l'intérieur de la ville, comme on voit dans la suite de la Mishnah, mais j'aurais pas le droit non plus de sortir de la ville et dans toute cette partie-là. D'accord? C'était clair, j'espère. Principe, retenez-le, il est très simple. Si ton Hérouv y marche, c'est devenu ton Hérouv, ton lieu de résidence, depuis ton lieu de résidence, tu calcules à la ronde 2000 amas, et dans ce cas-là, tu as perdu ton droit sur ta ville d'aller te promener ailleurs. Et si ton... Et le chidouche de la Mishnah, de la première partie de la Mishnah, est de me dire, si ton Hérouv, il n'a pas pu être validé, il n'a pas pu te donner lieu de résidence, alors tu gardes à posteriori ton lieu de résidence, ta maison, même si tu es à l'extérieur de la ville, c'est le chidouche quand même, c'est à l'extérieur de la ville, parce que ton intention, elle est qu'au pire, tu gardes ta ville si toutefois ton Hérouv ne marche pas. Ok? Maintenant, on passe à la deuxième partie de la Mishnah. Anoten et eruvo beibura shel ir, lo asa velo klum. Netano chutz latrum, afilu ama achat, ma sheniskar hu mafsid. Il y a une petite finesse, on va expliquer, parce que Hachem, ça va aller. D'abord, le premier cas de figure de la fin de la Mishnah, il me dit comme ça. Anoten et eruvo beibura shel ir. Celui qui va poser son eruv dans le ibour de la ville. Dans le ibour de la ville, vous rappelez qu'on arrondissait, ou plutôt... On rendait un rectangle, la ville en rectangle, vous rappelez du principe? Imaginez qu'on a une ville qui a cette forme-là, d'accord? C'est la petite forme bizarre, elle a comme ça, elle a des côtes qui dépassent, en plein milieu, peu importe, ça peut être une forêt, ça peut être ce que vous voulez, c'est plus habité. Pour calculer le troum de la ville, c'est un des grands chidouches, c'est que on avait dit qu'on va la être mi'aberota, on va la mettre enceinte, on va la faire grossir, on va la transformer en un grand carré, d'accord? Ça c'était le début de la Mishnah. Ketsan mi'abrin et taïr steperek. Alors la Mishnah me dit, bah, tu sais, je vais t'apprendre quelque chose. Lorsque tu mets ton pain dans le hibour, dans la joue que tu ajoutes, dans la joue de la ville, ça sert à rien, c'est nul et non avenu, ça sert strictement à rien. Soit, lui il habite là par exemple, il espérait partir ici pendant Shabbat par exemple, je sais pas, pour x ou y raison, il a mis un hérouf dans cette partie-là. Ça s'appelle qu'il a pas mis de hérouf. Il va me dire qu'il a perdu, non, il a gagné. Parce que quoi qu'il arrive, il aura le droit de partir là-bas, puisque tout ça, c'est considéré comme une seule grande ville. Il aura même aussi le droit de partir dans le troum, parce que le troum de la ville, c'est ce que j'ai encerclé ici en noir, là, le grand carré qui l'entoure, c'est le troum de la ville. Le grand chidouche, en fait, c'est qu'il n'aura pas perdu de l'autre côté, comme ce qu'on va expliquer tout de suite. D'accord? C'était clair pour le moment? Ça, je reprends dans les mots. Anoten et Eruvo Beibura, c'est-à-dire celui qui va mettre son Eruv dans la partie qu'on. Comment dire, qu'on va remplir de la ville. Ouais. Il pose son Eruv là-bas, Loasa Veloklum. Il n'a rien fait, donc il est resté à sa place. Tout ça, ça s'appelle sa ville. Et autour de sa ville, il aura 2000 amas de tous les côtés. Le chidouche que j'ajoute, entre parenthèses, qu'on va découvrir tout de suite dans la fin de la Mishnah, il va être de me dire, même si en général, lorsque tu mets ton hérouve, tu vas être obligé de perdre de l'autre côté, eh bien cette fois-ci, tu n'auras rien perdu, tu auras même les 2000 amas de l'autre côté, parce que tu es resté dans ta ville, tout simplement. Par contre... Si Netano Khutz la Troum, si elle a mis à l'extérieur du Troum, elle était en extérieur du Hibour, comme ça le partenaire il explique. D'accord? Il a mis à l'extérieur du Hibour, donc il a finalement il a commencé à mordre à l'extérieur dans le Troum. Alors la Mishnah me dit, Afilu Ama Achat, Machiniskar ou Mafsid. S'il a même mis à une Ama à la sortie de la ville, eh bien s'il a pris une Ama, il perd en contrepartie une Ama de l'autre côté. Là, je laisse la Mishnah de côté et je vous explique d'abord un principe très simple. J'espère que vous allez vous retrouver avec mon dessin. C'est pas compliqué, je vous explique. Il y a ici, j'ai fait trois couleurs. La situation optimale, classique, c'est en noir. Imaginez qu'on a une ville, d'accord, la ville en noir. On a autour de la ville 2000 amas. J'ai juste écrit j'ai juste signalé les limites du Hérouv à l'est et à l'ouest, ok?
entre parenthèses, le 300 que vous voyez, ça signifie que la ville, elle a une argent de 300 amas. J'en ai besoin pour la suite du cours. Donc, ça, premièrement, c'est le matzav neutre. Ouais, point mort. T'as 2000 amas à l'est, 2000 amas à l'ouest. C'est le troum de la ville classique. Maintenant, il faut savoir une chose. Tout d'abord, je passe au cas de figure la ligne verte. Tu as mis ton hérouve très loin de la ville, mais à l'intérieur des 2000 amas, bien évidemment, parce que le hérouve, tu le mets toujours dans les 2000 amas. Une fois que tu l'as mis ici, c'est ici devenu ici ton lieu de résidence de Shabbat. Puisque c'est devenu ton lieu de résidence de Shabbat, alors maintenant tu habites là pendant Shabbat, même si tu dors ici pendant la ville. Mais en réalité, tu habites ici. Si tu habites ici, tu as 2000 amas à partir de là. Donc tu as le droit de venir jusqu'à cette ligne verte. Mais en contrepartie, puisque tu as gagné ici, disons, tu as gagné, imaginez que c'était à 1800 amas, donc tu as gagné maintenant grâce à ça, au lieu de t'arrêter à 2000 amas, tu vas partir jusqu'à 3800 amas, tu auras, en contrepartie, tu auras perdu de l'autre côté. Tu devras, c'est-à-dire, puisque c'est devenu ici ton lieu de résidence, tu calcules 2000 amas à partir d'ici, des deux sens. On n'explique pas encore la Mishnah. La Mishnah, elle va parler d'un cas plus particulier. D'accord? Parce que c'est devenu ton lieu de résidence. Il y a maintenant un grand chidouche qui me dit comme ça. Si toutefois tu ne l'as pas mis à 2000 amas, tu l'as mis au milieu, tu l'as mis à 1000 amas de la ville. Il s'avère que maintenant, bon, alors tu vas gagner puisque tu l'as mis ici, tu auras le droit de partir jusqu'à la ligne rouge. Ok? Pas je partir jusqu'à la ligne verte, mais jusqu'à la ligne rouge. Tu l'as mis moins loin, tu auras à partir de ton point, tu auras 2000 amas à l'est et 2000 amas à l'ouest. Mais regardez quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. Lorsque tu vas avoir 2000 amas à l'est, aussi, il s'avère que la ville, elle est engloutie. Il y a un très grand ridouche. On considère la ville qu'elle est, elle a beau faire 300 amas de large, elle fait juste 4 amotes. Et en fait, grâce à ça, tu auras droit à 300 amas supplémentaires. La largeur de la ville, tu auras droit à 300 amas supplémentaires à l'ouest. Je recommence. Mon hérouve, c'est le rouge. Normalement, j'ai 2000 amas des deux côtés. Donc 2000 amas de ce côté-là et 2000 amas de ce côté-là. Donc en réalité, depuis maintenant mon pain, je pourrais partir à 2000 amas. Il va s'avérer que je vais perdre maintenant toute la largeur de la ville. Je devrais m'arrêter à la ligne en pointillé, en théorie. Le chidouche de la Mishnah vient de me dire, tu sais quoi, puisque ta ville elle est engloutie dans le troum du Shabbat, ta ville où tu résides elle est engloutie dans le troum du Shabbat, toute ta ville, elle est considérée comme 4 amot. Ouais. Donc, elle fait plus 300 amas de large, elle fait 4 amas de large. Donc, en fait, je calcule à partir de là 2000 amas, je calcule 1004, et de là, tu rajoutes encore 994. Et tu pourras partir jusque-là, en fait, en réalité. C'est pas exactement 300, et tu rajoutes 294. D'accord? Parce que tu es déduit de 300 amas, tu es déduit de 4 amas. Au lieu de calculer 300, tu calcules juste 294. 296 amas uniquement. Tu rajoutes 296. Ok? C'est là le chidouche de la Mishnah en fait. Qui me dit, si tu l'as mis, par contre, tu l'as mis en dehors de la ville comme il fallait. Chutz Latroum, ça veut dire pas Chutz Latroum, la Troum du Shabbat. C'est une Chutz Latroum au-delà du Hibour. La vie de la Mishnah, elle parle dans un cas plus complexe, mais pour apprendre une halakha simple. Tu l'as mis maintenant à l'extérieur du Hibour. Alors, Maché Niska, ce que tu as gagné d'un côté, tu le perds de l'autre. Tu as gagné d'un côté que maintenant. Tu l'as mis, par exemple, tu as mis ton hérouve à 1000 amas de la distance de la ville. Donc grâce à ça, tu as gagné 1000 amas supplémentaires ici. Tu as gagné 1000 amas, tu perds 1000 amas du trou initial. Voilà ce que la Mishnah m'a dit. Mais, comme je dis, le partenaire il rallonge pour expliquer, c'est à condition que toute la ville, elle est encore engloutie dans le trou de ton hérouve. Elle est dans les 2000 amas de ton hérouve. La ville, elle est engloutie, alors là, tu auras le droit à partir encore plus loin et finalement à diminuer que 200 amas. Puisque tu as voulu prendre 1000, tu diminueras 1000 à la fin. Mais si toutefois on fait un hérouf comme avec la ligne verte, que la ville maintenant n'est plus tout engloutie dans le troum du Shabbat, alors tu devras t'arrêter là. Et il s'avérera que tu devras rester que dans cette petite partie de la ville pendant Shabbat. C'est-à-dire, imaginez, je reprends mon cas maintenant, je suis à l'extrémité de Ramoth, et j'ai décidé maintenant de mettre. C'est un peu plus compliqué, mais. J'ai décidé maintenant de mettre mon hérouve à l'extrême limite pour pouvoir partir le plus vers Givadzev, vers Shmuel HaNavie là-bas. Je l'ai mis à l'extrémité, je l'ai mis à 1900 amas. Alors pendant Shabbat, je suis encore dans ma ville, c'est vrai. Si je suis, on va prendre un cas à demi. Si je suis parti à mon hérouve, après je vais revenir dans ma ville, je devrais rester que dans mon quartier Ramoth, que jusqu'à la dernière limite de 2000 amas depuis mon hérouve. D'accord? Certes, pendant que je suis encore dans ma ville, je rajoute un petit détail. Pendant que je suis encore dans ma ville, j'ai le droit de marcher dans ma ville. Mais dès que je suis sorti de la ville pour partir sur mon hérouve, alors je pars dans mon hérouve, et j'ai depuis mon hérouve maintenant
J'ai que 2000 amas, je devrais m'arrêter à la ligne verte, je n'aurais même plus le droit de marcher plus loin. Si ça se trouve, en plein milieu de mon quartier, je vais devoir m'arrêter, je ne pourrais plus rentrer chez moi à la maison. Je devrais arriver au bout de ma rue, mais je m'arrêterai, je ne pourrais plus continuer. Pourquoi? Parce que je vais dépasser les 2000 amas depuis mon Hérouv. C'est plus compliqué que ça dans la Halakha, mais en tout cas, le principe, j'espère que vous l'avez compris. Puisque tu as décidé que maintenant ton lieu de résidence, c'est plus ta ville, c'est ton Hérouv, quand c'est ton Hérouv et que tu as perdu ta ville parce que tu es sorti de la ville, alors tu ne pourras plus revenir, tu pourras plus revenir à ta place. Par contre, si toutefois, tu es parti jusqu'à ton Hérouv, et après tu reviens, et toute la ville est engloutie dans l'Hérouv, alors tu auras le droit de nouveau de partir de promener de l'autre côté de la ville, en calculant même la largeur de la ville. Ok? J'espère que c'était assez clair. Je vous souhaite une journée pleine d'Aslacha Kol Tov.